Bonjour mon ami, aujourd'hui on va savoir ensemble est-ce qu'il faut porter des vêtements noirs à l'extérieur ou pas. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et bien sûr à partager cette vidéo. Gratitude, cela va augmenter en fait tout simplement ma visibilité et je te remercie parce que grâce à ce que tu fais, on est de plus en plus nombreux et je peux du coup te partager de plus en plus de contenu. Ça y est, bon, c'est fait. Tu es là? Tu n'es pas parti? Ok. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi il faut porter du noir à l'extérieur ou pas. Alors, vraiment, le noir, comme le blanc, sont des nuances, ce ne sont pas des couleurs. Première étape, comme tu le vois très souvent, je porte souvent du noir. C'est bien pourquoi je le fais. Il y a bien une explication. Je ne porte pas que du noir parce que j'aime le noir. Et je ne porte pas que du blanc parce que j'aime le blanc ou les couleurs. Les couleurs, le noir, le blanc ont un impact sur le monde extérieur. Mais on va rester sur le noir et le blanc. Est-ce qu'il faut porter du noir à l'extérieur ? Cela dépend de ton environnement. Si tu portes du noir à l'extérieur et qu'il y a un maximum de personnes toxiques autour de toi, le noir absorbe tout. Donc, à la fin de ta journée, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas être épuisé, fatigué. Tu vas être une éponge émotionnelle. Alors, pour contrecarrer cette situation, au lieu de porter du noir, porte le blanc. Parce que le blanc n'absorbe de rien. Ça protège, c'est une protection. Les personnes, toutes les personnes toxiques autour de toi ne pourront rien t'amener. D'accord? Et donc du coup, tu pourras rien récupérer, rien absorber. Donc si tu veux te protéger du monde extérieur, qui est négatif, porte du blanc. Bien sûr, si tu vas dans un salon de bien-être, si tu vas dans des conférences, dans des endroits, dans des séminaires, dans des endroits où il y a énormément de positivité à l'heure, là, tu as compris l'importance de porter du noir. Tu vas absorber un maximum d'énergie positive et cela va décupler en fait ton énergie. J'espère que cette vidéo elle t'aura parlé. Excuse-moi si tu m'as pas bien compris, je suis enrhumé aujourd'hui mais j'avais envie de te l'expliquer. Alors, petit bonus, est-ce qu'il faut porter du noir ou du blanc quand on est chez nous? Quand tu es chez toi, déjà, est-ce que tu as choisi ton environnement? Le jour où tu as acheté, où tu as loué, où tu as déménagé, est-ce que tu as ressenti les lieux? Est-ce que tu te sentais bien dans ces lieux? Si c'était le cas, alors porte du noir parce que les énergies vont être absorbées. Et du coup, ta vie autour de toi va être que magique. Donc porte du noir en permanence quand tu es seul dans un endroit positif. Porte du blanc quand tu vas dans des endroits toxiques. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. J'espère que ça t'a parlé. C'est nouveau. J'ai envie de t'expliquer certaines choses, certaines connaissances qui peuvent peut-être t'aider par la suite. Si tu as aimé cette vidéo, dis-moi-le en commentaire. Si tu en as d'autres, si tu veux savoir plus de choses, dis-moi en commentaire ce que tu voudras savoir et je traiterai ces sujets avec la plus grande bienveillance. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te retrouve de l'autre côté. Ciao, c'était Fab.